Ben, il y a une lunette sans ton regard, là. Ah ouais, je suis toujours là. Hein? Mais ça coûte pour rentrer. Serviettes? 20 serviettes! 25 minimum. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça, on s'accoutume plus après X années, hein, on ouais, dit ouais. Ça. Hein, de bord, c'est moi. Comme de boîte aussi. En présence de nombreux parents et amis, hein, vous allez voir qu'ils étaient là, sûrement. Et aujourd'hui, après 25 années de mariage, nous sommes heureux de prendre le temps de vivre avec vous, Sylvie et Michel, le souvenir de ce beau moment. Que cette petite célébration soit une occasion de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il vous a accordés durant ces 25 années de vie conjugale.
Just follow me, and we need a little controversy.
le 10 septembre 1977. C'est un véritable exploit aujourd'hui d'être encore ensemble après toutes ces années. Et c'est un événement qui mérite d'être souligné. Ce ne fut pas facile tous les jours, mais vous n'avez jamais lâché. Vous trouvez toujours le moyen de vous démontrer l'amour qui te convient. Tu ne lâches jamais. À chaque fois qu'un nouveau défi s'annonce, tu dis toujours « il n'y a rien là ». C'est donc pas surprenant que tu t'endormes tous les soirs devant la télévision sur ta fameuse chaise qu'elle traque. Je suis certaine que plusieurs invités ici ce soir ont vu au moins une fois dans leur vie mon père dormir très profondément sur sa fameuse chaise. Tu mérites simplement ton petit somme, papa. Et toi, maman, la maison toujours impeccable, tes délicieux repas, tu vas à l'étable matin et soir faire la traite des vaches et tu trouves en plus un moyen de te lancer en affaires avec ton salon de bronzage. Tu es la meilleure des mamans. Je crois que pour nous, Tommy, Daniel, Jean-François et moi, tu es plus que ça. Tu es aussi notre meilleur ami. Tu es toujours là que ça ne va pas. Tu nous écoutes sans nous juger et tu trouves toujours réponse à tout. Tu es une femme remarquable et si jolie en plus. Ma mère adore magasiner. Parlez-lui d'aller magasiner à Québec, ses yeux s'illuminent à tout coup. En plus, elle a du goût. Alors, pas surprenant qu'elle me surprenne dans sa garde-robe quelquefois. Maman, tu fais bien de te gâter de temps en temps avec tout le mal que tu te donnes à tous les jours. Leurs loisirs, ce sont les déjeuners du dimanche matin au restaurant et parfois quelques soupers aux Chinois. Et bien sûr, comme tout le monde, de petites vacances en amoureux. Bref, ils le méritent bien. Ce soir, nous sommes ici pour avoir du plaisir, malgré une peine récente, celle d'avoir perdu notre grand-papa Gosselin. Mais, consolons-nous, il est parmi nous ce soir. Nous sommes chanceux malgré toute cette peine, il nous reste notre grand-maman Gosselin et nos grands-parents Fortin qu'on aime beaucoup. À tous ceux et celles qui sont ici ce soir à cette fête, oubliez les conflits et les chicanes, aimez-vous car la vie est tellement courte, on ne sait jamais quand un être cher nous quittera. Nous les enfants, nous vous disons ces mots, je t'aime papa, je t'aime maman. On ne le dit pas assez souvent. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous nous aidez à grandir mieux dans la vie. Nous sommes très fiers de vous. En espérant de vous rendre à vos noces d'or, encore une fois, on vous aime beaucoup. Passez une belle soirée et un beau voyage. Soyez heureux. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Moi, je la vois, oui. C'est quoi qu'ils ont reçu comme cadeau? Alors Sylvie et Michel, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? L'enveloppe! J'espère! L'enveloppe! Mais ça, c'est pas une joke. C'est un cadeau que vous avez bien mérité. Ils l'ont mérité. Pendant 25 ans, ils ont travaillé dur et fort. Ils l'ont mérité. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? C'est pour aller voir Elvis Torrey.
au Capitole le dimanche le 6 octobre. Vous êtes tous invités. Et puis moi, on va être là. Un chinois. Une crise de chinois. J'espère qu'il n'y a pas de chinois dans celle. Ils l'ont mérité. Merci beaucoup, hein. Au pépé pour un.